Alors là, je finis ma poupée japonaise. J'ai mis quelques heures, mais on arrive vraiment sur la fin. Plus qu'une lettre, une couleur à mettre. Et on aura terminé. Comme vous le voyez, je suis pas très douée. Normalement, j'ai vérifié. J'ai rempli toutes les autres cases. Si je prends pas les diamants, on va pas y arriver. Alors, il me reste quoi? Une centaine? Je sais pas trop en fait. On verra. Mais pas pour très longtemps. Alors c'est pas très grave, j'ai commencé sans la tablette lumineuse. Et puis moi je fais couleur par couleur et je crois que je vais arrêter de faire ça. Alors, là on finit le visage. J'aime bien quand ça fait ce petit clic, quand on sait que c'est bien mis. Alors, on voit que certains diamants sont un peu plus petits. Voilà la tête, après il n'y a plus tout le reste de la robe. Je ne sais pas si vous entendez parler derrière, j'espère que non. Sinon, bah tant pis. Alors moi j'ai fait un petit format, j'ai pas encore commencé le grand format parce que en tant que tableau c'est vraiment le deuxième que je finis. J'en avais commencé un autre il y a un moment mais je sais pas, je pas plus emballé que ça. Je l'ai pas recommencé, je sais même pas où je l'ai rangé. J'en ai encore pas mal à faire, et puis toute cette taille et tout elle est carrée. Là, vraiment on arrive les dernières perles diamant, je sais pas comment vous appelez ça, les deux me conviennent. Voilà la maladroite que je suis, on met partout, c'est ma spécialité, on a l'habitude. C'est pas grave. Faudra vous habituer à voir ça parce que moi ça m'arrive vraiment souvent. Voilà, il y a toujours deux collés. On va prendre d'autres, on en a assez. Si je les mets à l'envers, ça va pas aller. Hop. Alors moi je fais jamais à la pince, que la pince, simplement, on n'y arrive pas. Je n'ai pas cette dextérité avec la pince, c'est une horreur.
Mais le stylo me va très bien. On s'approche vraiment de la fin. Et encore un autre. Hop, on va le mettre là. Ça. On va vraiment les mettre de côté. Celui-là aussi, il y a du défaut. Hein. La première couleur qui me fait ça, les autres, elles allaient très bien. Pas celle-là. Il reste quoi, une vingtaine à peu près, maximum 30. On est sur la fin. Voilà ce que vous entendez, c'est le chat. Voilà. Je l'ai mis encore à l'envers pour changer. Les blancs, j'ai de la peine, hein. Je les vois pas très bien. Hop, ça réparait. Normalement, je débute vraiment. J'ai pas fait grand-chose. Donc, j'ai pas encore des techniques de certaines qui. Même le rangement, c'est pas encore ça. Faut que je m'y mette. Donc après celui-là, je vais faire mon premier vrai rangement de petits diamants. Mais vraiment, il y a un problème avec cette couleur. Hein. J'arrive même pas à les retourner correctement. Hop. Allez, il reste quoi, une dizaine? Excusez-moi, maintenant c'est un avion. J'habite à côté d'un aéroport. Après, la fenêtre est ouverte. Alors, je vois vraiment très mal. Hop. La fin est proche. Hop, hop. Il en reste 5. Alors. Allez, plus qu'un. Je vais bien se retourner parce que là j'ai l'impression qu'elles sont pas bizarres. Allez, le dernier, normalement. Ah non, il y a encore un là. Il est juste ici. Et je crois que cette fois, on a fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve magnifique. Je mets un peu de lumière encore. Ça se voyait mieux. Quoique je le préfère limite un peu plus dans l'ombre. Voilà, c'était ma première vidéo de fin de Diamond Painting. Merci d'avoir regardé. Bisous.